Bonjour sur la chaîne Minanofi. Aujourd'hui, nous allons faire un plat familial, c'est-à-dire un plat de lentilles avec des petits ronds et du khler. Le khler est une viande boucanée que l'on prépare en été pour cuisiner avec des légumes ou des lentilles ou en hiver. Le khler, c'est une viande boucanée que l'on prépare en été pour les hivers, bien sûr, faire des plats en hiver. Donc là, pour 5 ou 6 personnes, 1 kg de lentilles, 500 g de courge ou potiron, 3 tomates, 2 oignons, du sel, du poivre, une cuillère à soupe de paprika et du khler, quelques morceaux de khler, ce que vous voulez, suivant les appétits des gens. Il y en a qui en mettent plus ou moins. Dans un premier temps, on met les lentilles dans une marmite, on les couvre d'eau et on les fait blanchir pour qu'elles perdent sa noirceur. Puis on les retire de l'eau et on les réserve. Dans une marmite, on met le khler et on fait fondre la graisse, puis on les retire. Donc sur cette graisse, on met l'oignon, un seul oignon. On garde d'autres pour la suite. Un seul oignon qui va revenir dans cette graisse. Et 5 bonnes minutes pour les oignons, ça suffit. Maintenant, on ajoute les tomates. On va les laisser elles aussi. Mélanger. On couvre et on les laisse aussi 5 bonnes minutes. Si les tomates sont trop dures, on peut les écraser avec un écrase-légumes pour accélérer la cuisson. La cuisson. Elles sont dures en ce moment, les tomates. Quand les tomates sont cuites, on leur ajoute de l'eau, un litre d'eau au moins. Voilà. Et on va mettre le poivre, le sel, paprika. On mélange. Et on ajoute les lentilles blanchies. Attends, vous voyez, les lentilles sont bien blanches. Voilà, on ajoute les lentilles blanchies. Bien sûr, on leur a enlevé leur eau tout à l'heure. On couvre et on laisse cuire. Au bout de 3/4 d'heure de cuisson, nous ajoutons donc l'autre oignon. Et le potiron. On couvre et on laisse cuire, mais pas longtemps. Ça va être... Il a fallu 20 minutes pour la cuisson du potiron. Évidemment, tout dépend de la qualité des potirons. Il y en a qui cuiront plus rapidement. Pour savoir s'ils ont cuit ou pas, on peut piquer avec une fourchette. Voilà, si la fourchette rentre bien dedans, c'est qu'ils sont cuits. Et là, c'est le cas. Et on peut laisser réduire un peu la sauce. Là, elle est réduite. On peut goûter s'il manque du sel, en rajouter. Et certains mettent des petits poivrons piquants. Là, évidemment, je n'en ai pas, mais on peut les mettre pour ceux qui aiment. Pour servir, on servira les lentilles, on mettra les potirons par-dessus et les morceaux de khler, de viande. On coupera avec des ciseaux, on les posera par-dessus. Bon appétit!